Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo en mode un peu vlog là. Il est 5h30 à peu près du matin. Là, bon, c'est pas une vidéo bourse, hein. Je me rends à une journée porte ouverte au lycée Le Druet, donc à Bucquoy, dans le nord de la France. Donc, je vais faire quelques images là-bas, donc pas beaucoup parce que je vais rester beaucoup sur mon stand quand même. Mais c'est plus de l'informatif qu'autre chose, c'est pas une vraie bourse, donc il n'y aura pas forcément énormément de monde ou autant d'animaux et de matos que vous pouvez le voir d'habitude. Donc, je vais quand même vous montrer un peu ce que c'est parce que c'est vraiment mon domaine d'action, hein, c'est de l'informatif. Donc voilà, donc là j'ai un peu là, j'ai un peu mal dormi, j'ai dû dormir 1 heure en tout, donc ça va être folklorique sur la route, j'ai environ 2 heures de route. Donc bah, je vais vous faire vivre cet événement et puis bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo si vous avez apprécié. Et je vous ferai un petit bilan sur le retour en direct de ma voiture, donc pour vous parler un peu de l'événement, comment je l'ai ressenti, et aussi également bah, s'il fallait des améliorations ou pas qu'il y a eu comparé à l'année dernière, parce que j'étais là-bas aussi l'année dernière pour la même mission. Donc je ferai un point aussi la différence entre les 2 années. Et puis voilà. Bon bah là je vais charger un peu le reste de la voiture et bah c'est parti. Bah, nous voici donc pour la suite et donc la fin de cette petite vidéo. Donc bah, déjà comme vous avez pu le constater, pas forcément beaucoup de monde et pas forcément non plus du passionné de reptiles qui vient chercher sa bébête ou ses insectes. C'est une porte ouverte, donc beaucoup de familles, de futurs écoliers, de comment dire ça, d'ex-enseignants aussi, enfin d'ex-élèves aussi qui venaient participer, donc vraiment sympa, vraiment convivial. Donc avec la présence bien sûr d'Eden Reptile, d'Animal Show, il y avait également l'association donc qui gère la thériophilie et l'aquariophilie donc à Grugy, donc qui font d'ailleurs leur exposition le 21 mai et leur bourse reptile donc le 12 novembre. Donc bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Alors le 21 mai c'est une expo vente, hein. C'est pas que de l'expo. Il y a de la vente aussi, donc si vous voulez avoir un petit stand, c'est pas très cher, c'est pas trop loin de Paris, ça peut valoir le coup. Ils avaient quand même pas mal d'entrées à leur dernière bourse, donc pourquoi pas, avec la présence bien sûr de Lilian Moisonnier d'Eden Reptile, donc qui est professeur aussi au lycée Le Druet, donc vraiment vraiment sympa, je vous conseille d'aller voir. Donc moi je pourrais pas y aller malheureusement, mais enfin du moins pour l'instant c'est le cas. Après je vais voir par la suite si c'est possible de faire quelque chose. Donc bah, je vous conseille d'y aller. Donc pour revenir un peu à l'événement d'aujourd'hui, alors c'est un événement plutôt, bah, plutôt calme en fait, plutôt sympa et plutôt convivial. Bon, un peu de conseils à donner, beaucoup de creux où il n'y avait personne. Donc voilà quoi. Sinon bah, j'ai quand même réussi à vendre un fond Terrarium Exoterra qui me servait plus et puis un paquet de chocolat, hein, les fameux chocolats. Qui commence à plaire un petit peu, donc même si bon je suis en concurrence avec Maxime et son chocolat blanc, donc voilà, donc vraiment sympa. Et j'ai pu faire aussi une bonne affaire parce que j'ai réussi à avoir un Terrarium Exoterra de 30 par 30 par 30 pour 10 €, donc c'est vraiment pas cher du tout, c'était d'occasion bien sûr, hein. Donc du neuf à ce prix là jamais vous trouverez, donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, il était vraiment bon état, donc bon. Alors pour l'instant il ira dans mes réserves, je ne sais pas s'il me servira quelque part, mais bon, à ce prix-là, vaut mieux avoir un terrarium à bas prix en réserve plutôt que d'acheter à plein pot plus tard parce qu'on en a vraiment besoin.
Donc voilà pour ça. Donc l'événement lui-même, bon bah il y avait un peu de tout, il n'y avait pas que de la terrariophilie, hein. Il y avait des chiens, il y avait des chats, il y avait des rongeurs, il y avait là, ils ont leur propre petite animalerie dans le lycée, c'était sympa. Il y avait des poneys aussi. Bon, j'ai pas eu le temps de faire un tour de poney parce que un, j'aurais été ridicule. Deux, vu mon poids, le poney il serait écrasé. Et puis bah avec le stand, j'ai pas le temps non plus de profiter à ce niveau-là. Donc malheureusement, j'ai déjà à peine le temps d'aller manger le midi. Donc bon là ça va, il y avait de quoi faire, donc j'ai largement eu le temps. Mais sinon voilà, pour une porte ouverte, c'est sympa. C'est là que si vous voulez faire apprendre aux gens des choses, aux petits jeunes qui vont certainement peut-être être embauchés plus tard en animalerie, hein. Donc c'est là qu'il faut faire de la prévention, c'est là qu'il faut expliquer telle et telle chose, notamment pourquoi on met pas de sable à un pogona ou à un gecko léopard, pourquoi on donne pas de crevettes séchées aux tortues principalement, qu'est-ce que l'ostéodystrophie, enfin bon c'est là que doit être la base, parce qu'on dit depuis des années que les vendeurs en animalerie c'est des quiches. Bon oui, moi pour 95% des cas c'était des quiches, mais si on leur apprend pas, si on leur montre pas la voie, comment eux ils vont pouvoir se dire tiens c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que j'apprenne, c'est comme ça qu'il faut que je pense. Voilà, eux ils vont se baser sur quoi? Sur ce qu'on leur apprend forcément à l'école. Après, est-ce que l'enseignement est bon ou pas, ça c'est pas à moi de le juger, parce que je ne connais pas je connais pas les matières qu'ils apprennent, je connais pas leur cours en fait. Donc je peux pas me permettre de le juger, une chose que je connais pas. Mais ce que je vois quand ça sort de l'école, c'est que bah il y a beaucoup à rattraper. Les passionnés s'en plaignent. Certains passionnés ont la chance de travailler en animalerie, d'autres non. Donc eux ils font leur boulot de l'intérieur, mais de l'extérieur on peut le faire aussi avec ce genre d'initiative, donc ce genre de porte ouverte, en ayant juste un stand, tout simplement un stand informatif. On peut vendre des animaux quand même, parce que j'ai ramené les deux petits geckos léopards à mettre en vente, bon qui sont toujours là avec moi, mais voilà, le fait de les emmener, ça a permis à certaines personnes de manipuler. Un élève m'a demandé tout simplement s'il pouvait manipuler. Il restait facile, ouais, peut-être 15-20 minutes avec l'animal dans les mains, sans pression, sans rien, tout bénef. Il a appris à le manipuler parce que c'est le gecko l'intéressait. Après, si on leur montre pas certains animaux qu'ils peuvent vendre par la suite, ils peuvent pas savoir s'ils vont s'y intéresser ou pas. Et le pire pour eux, c'est que quand ils seront en animalerie, ils auront la culture du bénéfice à faire par le patron. Et en même temps, ils vont avoir des animaux entre les mains qu'ils ne connaîtront pas personnellement. Ils ne connaîtront pas l'individu. On va leur dire, voilà, telle espèce est dangereuse, ou telle espèce, faut se méfier des morsures, machin. Mais ils ne le sauront pas par eux-mêmes. Ils ne l'apprendront pas, sauf s'ils se font mordre d'un coup. Ils l'apprendront, voilà, comme ils apprendront un peu d'expérience. Mais voilà, ils n'ont pas les formations qu'on peut suivre avec un capacitaire digne de ce nom, qui connaît bien son espèce, qui connaît bien son individu, qui sait qu'il peut vous le mettre entre les mains. Donc voilà, c'est à nous de leur apporter aussi cette connaissance, parce que la terrariophilie, malheureusement, de nos jours, elle est très personnelle, voire trop personnelle. Et c'est un gros souci, c'est qu'on préfère plus tirer dans les pattes de l'autre plutôt que de lui tendre la main pour l'aider à progresser. À savoir que si on tend la main à quelqu'un pour qu'il progresse, plus tard c'est peut-être lui qui nous tendra la main quand on en aura besoin. Pour prendre mon cas personnel, j'ai tendu la main à Céline Snaily, donc de Snaily Casus, en lui montrant le côté exposant donc des boursatiles. Et résultat, elle expose maintenant, donc et elle adorait. Donc je lui ai tendu la main et elle a saisi la balle au bon pour exposer ses escargots. Voilà, même si moi je suis une quiche en escargot, hein. C'est en s'entraidant qu'on arrivera à faire de la terrariophilie une passion forte. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de conneries qui sortent du style, bah, pour reprendre un exemple le plus flagrant, voire même deux exemples, tiens, je vais en prendre deux, le coup des serpents qui mangent des chats, qui circulent à chaque fois, et à chaque fois les réactions qu'on voit sur les groupes Facebook quand ça sort, c'est à base d'insultes, ou on cherche pas à faire résonner la personne qui balance cette connerie sans réfléchir. On ne cherche pas à la faire résonner, on ne cherche pas, et on insulte directement, et ça nous porte préjudice, parce qu'on n'arrive pas à restaurer le dialogue. C'est à cause du fait qu'on se tire dans les pattes et qu'on est trop solitaire là-dedans. C'est ça le problème. Après, comme deuxième exemple, une association a sorti récemment une énorme connerie, on peut dire ça comme ça.
Comme quoi, tout ce qu'on vendait en bourse était vendu dans des boîtes. Bah ouais, mais d'un côté, on va pas les mettre dans les terrariums déjà nickel, parce que imaginez, tous les exposants devraient venir avec des camions, quoi. Donc, il n'y aura plus de vendeurs de matériel, hein, ça ne servira plus à rien. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est de se tendre la main entre nous et puis d'y aller, franco pour tirer dans le même sens. Parce que même les associations terrariophiles ne tirent pas forcément dans le même sens. Certaines arrivent à s'entendre, comme j'ai pu voir avec l'association de Bellerive-sur-Allier, enfin de Vichy plus précisément, parce qu'elles sont de Vichy, et l'association de Terrarium-Nièvre, voire même l'ATM également du Mans, qui vraiment tire dans le même sens. Ils veulent la même chose et ils veulent proposer la même chose. Donc c'est un bon début. Après, il y a certaines associations que je chiterai pas, ou c'est on cherche à profiter et puis on encaisse, quoi. Donc voilà, ça c'est ou des associations qui créent une association pour avoir des membres pour faire des voyages, mais faire que des voyages. Alors quand je parle de cet exemple là, je parle pas des crocos, bien sûr. Les crocos, bien sûr, ils sont spéciaux pour moi, ils sont différents, ils sont spéciaux. Ils font quand même des formations. Après, ils font quand même 2 bourses par an, ou faut le dire ce qui est, ils sont très nombreux à chaque bourse pour venir aider les exposants machin. Donc ils tendent la main à leur manière, donc c'est une manière différente qui est pas comparable aux autres, mais qui est tout aussi bénéfique. Voilà. Après, il y a des associations, c'est le fric, on se montre et puis on fait des petits voyages chelous et puis c'est plié, quoi. Donc ça fait mal au cœur de voir ça, et c'est vraiment dommage. Donc, ou des associations où le président pète un câble et il vire tout le monde. Donc ça, je l'ai déjà vécu. Donc l'idéal, c'est de tirer dans le même sens. Et on se moque beaucoup des vendeurs en animalerie parce qu'ils savent que vendre. Mais peut-être que sinon, on leur apportait notre petite expérience des animaux. Eux, ils nous apporteraient peut-être leur expérience en vente, qui nous permettrait peut-être de vendre mieux nos animaux et notre matériel. Merci Wes pour la zone de contrôle, c'est sympa. Donc voilà. Après, voilà, c'est ce que j'en retiens. C'est pour ça que je fais cette porte ouverte. Alors, je perds pas énormément d'argent à la faire. J'en gagne pas forcément non plus. Mais c'est pour ça que je la fais. C'est parce que je pense pas qu'à ma gueule, et je pense aussi aux élèves qui ont besoin. Et surtout, je réponds un peu à l'appel de Lilian, qui est d'Eden Reptile, qui est un des professeurs. Qui gère ça, en fait, qui gère ça, et qui m'a contacté la première fois à Waterloo, et le contact était super bien passé, et j'ai adopté direct l'idée. Alors, la première fois, j'étais venu avec les tortues parce que j'avais les fonds pour le faire. Malheureusement, je les avais pas là, et je suis pas prêt de les avoir avant quelques temps, parce que le souci qu'il y a, c'est que moi, je ne suis pas une association. Je préfère le répéter parce que beaucoup le pensent. Je gère mes expos avec mes heures supplémentaires, qui commencent à se raréfier, et également avec tout ce que j'arrive à vendre, ce qui est vraiment très peu. Donc je suis beaucoup en déficit là-dessus, mais je cravache comme un fou. Là, comme hier soir, j'avais un jour de repos, mais je l'ai bossé sur la préparation, et résultat, j'ai dormi qu'une heure, et voilà, quoi. Après, c'est ça la vie d'être exposant aussi, on le veut aussi, hein. Parce que l'air de rien, exposer, c'est pas non plus tiens, on va se venir, on va mettre nos trucs, nos prix est super cher et les gens vont acheter. Non, il y a une préparation. Alors, que ce soit les vendeurs de matériel, ils préparent les caisses du matériel, les vendeurs de ceux qui vendent leurs animaux, ils préparent les dossiers des animaux, ils préparent tout pour être en règle le jour J, ils préparent le conditionnement des animaux pour le transport aussi également. Tout le monde ne fait pas de l'import, hein, sur les bourses, il y a pas mal d'amateurs aussi, qui sont comme vous, qui regardent cette vidéo peut-être en ce moment, et qui en fait viennent là pour vendre leur repro, proposer leur repro, dans le but, certes, d'être un peu reconnu par la suite, ce qui est normal, parce que si on fait des bonnes choses, on mérite d'être reconnu, mais qui font ça surtout pour proposer des animaux d'exception, des animaux d'exception, à vous tous, quoi, à vous tous qui venez visiter les bourses, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de préparation. Moi, pour tout vous dire, une bourse, je la prépare 2 à 3 semaines à l'avance. Donc ça fait vraiment beaucoup de préparation.
Alors là, j'ai les animaux préparés, donc j'ai la caisse à polystyrène à préparer. Quand je transporte les tortues, il faut que je prépare les bassins, il faut que je calcule s'il y a tout le matériel, les thermoplongeurs, s'il y a les lampes UV, parce que moi j'utilise les lampes UV Solarator en bourse pour une seule raison, c'est qu'on est quand on est exposant, il faut se dire qu'on est la vitrine de la Terrario sur le jour J et que les personnes qui vont venir, qui sont novices, vont voir les installations qu'on a mis et vont voir la qualité de ce qu'on met. Si on met une petite lampe à la con sur nos tortues et qu'elle ne sort pas sur les plages le jour J, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Si on met par exemple, comme j'ai pu voir à Belle-Rive sur Allier, des petites tortues aquatiques dans des boîtes à grillons, quoi. Faut arrêter le délire, faut se dire tiens, même si on ne peut pas mettre un aquarium, mettre un bassin en plastique, ça suffit amplement, avec une protection grillagée pour éviter les morsures comme je le fais. Ça coûte pas cher. IKEA, le bac IKEA, ça coûte pas bien cher. Voilà, c'est. Je pense que si on n'arrive pas à se dire que bah, c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on montre de nous fera ce qu'on pensera de nous, et bah ça partira toujours en live. Voilà. Après, bon, il y a aussi des personnes qui peuvent pas s'entendre et qui se tirent dans les pattes volontairement parce qu'ils peuvent pas s'entendre. Ça arrive. Ça arrive, moi j'expose bien avec une personne que je n'entends pas du tout avec, je parle pas. C'est plus simple. C'est plus simple. Ça évite les problèmes. Il me fout la paix, je lui fous la paix, je fais mon truc, il fait son truc. Point, faut que ça s'arrête là. Quand je vois sur les groupes des guéguerres pour un oui ou pour un non ou pour des débats, par exemple un débat à la con, Rakutera. Ouais bah Rakutera, il y a des pros, il y a des pros Terra, des pros Rak, il y a des pour les deux, il y a des contre les deux, enfin contre les deux peut-être pas, mais voilà, il y a des pour et il y a des contre quoi. Il y a plusieurs manières de faire en Terrario, que ce soit pour élever, que ce soit en termes de maintien, que ce soit en termes de proposition sur les stands en bourse, il y a plusieurs manières de faire. Voilà, après toutes ne sont pas forcément bonnes non plus. Après, laquelle est la bonne, ça dépend du point de vue du point de vue de lequel on est. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est de tous tirer dans le même sens et d'avancer tout dans le même sens. Et c'est comme ça qu'on a que par la suite, bah, les associations pourries nous foutront la paix. Les personnes qui balancent que les serpents, qu'on donne des chats à nos serpents, nous foutront la paix et qu'on se verra mieux voir en Terrario. Voilà. Simplement, c'est pas en mettant des vidéos aussi également de serpents qui bouffent leur proie sur YouTube ou sur Facebook que ça va améliorer la chose dans le bon sens. Oui, voir un serpent faire une bonne constriction, pardon, parce que construction, ils bâtissent pas encore, une bonne constriction, ça fait plaisir à voir pour le propriétaire. Pour un novice qui veut apprendre, ça lui montre ce que le serpent va faire. Donc c'est éducatif. Mais après, ça. Si la phrase d'accroche qui est mise avec la vidéo est mal faite, ça peut pas se laisser penser ou montrer du sensationnalisme. Et c'est cette part-là qui bloque tout, quoi. Alors je dis pas que les vidéos de constriction sont forcément mauvaises. Mais si on explique pendant la vidéo pourquoi il fait la constriction de telle manière, pourquoi il attaquait de telle manière, donc voilà, c'est. C'est, enfin bon, c'est, il faut tirer dans le même sens, montrer les choses de façon éducative. Voilà, parce que à savoir que dans les bourses reptiles, à ce que moi j'ai pu voir en tant qu'exposant, on a beaucoup d'enfants et d'ados. Alors bon, des ados, il y en a certains, ils ont déjà vu un serpent faire une constriction, mais il y en a certains, ils le voient comme du sensationnel à leur âge. Et c'est normal, parce que pour eux, c'est merveilleux, c'est impressionnant. Mais c'est à nous. Que ce soit éleveur, que ce soit vendeur, de leur montrer, même youtubeur, hein, on peut dire ça comme ça, ou administrateur de groupe, c'est à nous de leur montrer pourquoi c'est comme ça et puis pourquoi faut pas non plus en faire des tonnes et des tonnes avec des vidéos qui servent pas forcément à grand chose. Voilà. Donc des vidéos de nourrissage, voilà, c'est après le nourrissage du gecko, par exemple, pour prendre le gecko hein, ou la tortue, c'est moins impressionnant. Parce qu'on donne pas forcément des proies vivantes, enfin si pour le gecko c'est du vivant, on peut donner du mort aussi, mais c'est pas de la souris ou du rat, donc c'est différent. Quand on donne un lapin à manger à un gros serpent, le souci qu'il y a c'est que bah, ceux qui aiment les lapins, ils vont être choqués quoi. Mais si on leur explique qu'on n'a pas le choix, que la proie est assez grosse et qu'on leur explique que la valeur nutritive de l'animal qu'on donne à manger au serpent, bah, la perception va changer, ils vont se dire oui c'est un lapin qui était prévu pour ça.
c'est triste, mais il y a la chaîne alimentaire, hein, on n'a pas le choix. Hein. Parce que dans ce cas-là, si c'est triste, on arrête de manger aussi, hein, on mange que des feuilles. Hein. Donc voilà l'idée, c'est pour ça que je me rends maintenant depuis c'est la deuxième année où je me rends au lycée donc Le Druet à Bucquoy afin d'aider les jeunes à en apprendre plus quoi. Parce que c'est notre rôle, alors je vais pas dire en tant qu'ancien de la Terre Ariot parce que j'ai pas un ancien, mais en tant que personne expérimentée dans mon domaine, il est normal de faire cela, comme d'autres le font aussi. Donc c'est notre part de responsabilité si on veut que la Terre Ariot avance dans le bon sens. À nous de nous remettre les idées droites et de repartir dans le bon chemin. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse. Après le lycée en lui-même, alors moi j'ai pas vu grand chose parce que je reste toujours à côté de mon stand, mais j'en ai entendu beaucoup parler d'autres pièces et tout, notamment avec Lily, on avait déjà parlé une fois. C'est un lycée qui vraiment est pas trop mal. Ils ont des bonnes installs, hein, l'air de rien. Bon, après, ils ont les lions qui suit derrière pour la Terre Ariot, donc ça aide aussi. Ils ont de l'aquario, donc ils ont de la Terre Ariot, ils ont des rongeurs, ils ont donc du poney. Enfin bon, voilà, c'est un petit lycée qui fait internat également. Donc si vous êtes dans le secteur et que les métiers en rapport donc avec les animaux vous intéressent, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur là-bas quoi. Et ce serait l'idéal pour vous. Sachant qu'après ils peuvent avoir des débouchés. Ils peuvent avoir des débouchés derrière dans certaines animaleries qui recherchent notamment du capa ou des trucs comme ça. Donc ça peut être tout bénéfique. Voilà, donc là je suis encore en train de rentrer chez moi, hein, comme d'hab. Je pourrais mettre la musique de Lucky Luke, ça ferait pas mal. Donc je rentre chez moi encore une fois et puis je remets ça donc dimanche prochain avec la bourse de Waterloo, donc dans le nord, donc Waterloo proche de Tourcoing, Lille là-bas quoi, le Schnorr comme on dit si bien. Donc c'est la deuxième participation que je vais faire là-bas. Alors pour vous en parler un petit peu, cette expo, c'est une expo qui est gratuite pour les visiteurs, gratuite pour les exposants. Donc ça me fait moins de frais, le repas nous est offert également pour nos exposants, c'est vraiment sympa. Parce que c'est vrai que ça nous tire une épine du pied au niveau du budget. Moi ça me permet de ramener mes tortues, j'ai juste le péage, j'ai juste l'essence et j'ai juste l'hôtel à payer. Donc ça me permet de ramener mes tortues. L'an dernier on avait vraiment très très bien marché, il y avait énormément de monde. Au niveau tortues, j'avais plus de documentation à la fin de la journée. Alors que même à Arras ça ne m'arrive pas. Les tortues ont fait vraiment leur show, notamment si on se rappelle bien Samy qui était monté 7 fois sur la plage ce jour-là. Immortalisé par Yann bien sûr de l'assaut du peuple de l'ombre. Donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est clair que c'est loin de Paris, il y a 3 heures de route. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est pas du Arras à l'international. Hein. C'est pas le même style. C'est un style plus convivial, plus familial et plus découverte. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à passer sur le stand également. Hein. Donc qu'on rigole un petit peu, histoire et qu'on se détende un petit peu quoi. Donc voilà, puis je pense que je vais vous faire une petite vidéo de là-bas. Vu que j'aurai Sylvain et Nat à côté de moi, je pourrai plus facilement quitter le stand en laissant les tortues et les petits geckos. Donc voilà, ce sera plus simple. Parce que c'est pas évident pour moi de quitter le stand avec les animaux de peur d'un vol. J'ai Reptilic Gecko a connu ça. À savoir que quand on est un éleveur, un vrai éleveur qui a fait naître ses petits, on est un peu comme leur grand-père en quelque sorte, on se sent un peu comme ça, on est très attaché. Alors oui, on sait qu'on va faire des repros pour les vendre, on sait qu'ils vont partir, mais on a envie de vous les vendre. Mais au fond de nous, on n'est pas triste qu'elles restent. Au contraire, c'est moi avec les petits bouts de chou là, c'est mes deux premiers repros, donc j'étais vraiment inquiet dans un sens que en voyant quelqu'un s'approcher, dire qu'elle est belle, qu'ils me disent je la prends quoi. Ça me ferait plaisir d'un côté parce qu'elle trouvera une autre famille et pourra s'épanouir et grandir et être bien traitée, je l'espère. Mais d'un autre côté, ça fera un pansement au cœur parce que ça fait quand même bientôt 8 mois que je suis avec les deux. 8 mois que je les manipule régulièrement afin de les habituer, qu'elles mangent super bien, que je suis au petit soin avec elles. Donc voilà. Un éleveur, c'est pas forcément un mec qui veut faire du fric. Voilà. Il élève pour élever. Il va gagner de l'argent en vendant un animal, oui, mais il va y perdre une partie de son cœur et ça faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça quand un éleveur vend son animal à une personne qui s'en occupe très très mal, ça fait se remettre en question et il se pose surtout la question de savoir
est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que être un éleveur, ça n'a rien à voir avec une grande enseigne importatrice qui, eux, en fin de compte, ils importent l'animal, ils le connaissent pas, et ils font une quarantaine, ils vont le revendre derrière, et puis basta. Hein. Donc voilà. Donc pour revenir sur le sujet, Waterloo, donc le week-end prochain, que je vous invite à venir voir. Et puis après, nous serons à Béville-le-Comte, si bien sûr mon dossier est bien arrivé, je pense qu'il arrive en trottinette. Donc à Béville-le-Comte, alors c'est une bourse qui n'a pas lieu l'an dernier, mais qui a lieu il y a 2 ans. Et qui reprend donc dans la salle où ils étaient avant. Et donc voilà, moi je suis pas très loin non plus, donc j'ai pris le stand quand même là-bas, 3 mètres, suffit amplement. Donc j'espère que les personnes qui seront dans le coin n'hésiteront pas à passer, puis voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo, donc le week-end prochain, hein, et puis à bientôt, salut !